Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DT Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Alors, on va voir une petite astuce que mon poteau Labozo m'a parlé hier. Alors, pour moi, c'est pas mal, hein, pour les gens qui débutent un peu comme moi. Moi, c'est vraiment mon premier jeu de simu voiture où je me mets un peu dedans. Donc, il va falloir encore des heures et des heures avant de me voir faire des beaux tours. Du coup, oui, il y a une technique aussi pour farm l'argent avec un circuit, mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur beaucoup de vidéos, je pense. Hein, une nouvelle technique, hein, pour farmer de l'argent, mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Nous, ce qu'on va voir, c'est surtout la voiture, en fait, une voiture idéale, franchement, et pas chère pour commencer, en fait, et on va dire avoir pas mal de chevaux sous le capot, pouvoir aller en ligne et tout ça, quoi. La course, je vais vous en parler vite fait, mais je vais pas vous la montrer, hein, vous connaissez. Hein. Alors, on allait en Amérique chez Chevrolet. Allez voir, franchement, c'est idéal. Ouais. Il me l'a montré hier, la voiture est pas chère du tout. Voilà, 134 000 crédits, donc c'est vraiment pas mal. Elle fait déjà de base 765 chevaux, 641 points de puissance. Du coup, elle est vraiment pas mal. Alors, regardez, même les autres, ils n'arrivent pas à la cheville, hein. C'est la meilleure. J'ai l'impression, ouais. Putain. Ouais, c'est la meilleure et franchement, elle est pas chère, quoi. Elle est pas chère, elle est 134 000, vous avez déjà une bagnole à 765 chevaux. Si vous voulez pas mettre trop d'argent, vous lui mettez juste les pneus course. Nous, on va aller voir ça, hein. Qu'est-ce que là on a comme couleur, alors? Scène dynamique. Choix de la couleur. Elle est belle en rouge, hein. Jaune. Jaune aussi. Noir. Oh, il y a tellement de couleurs où elle est belle. Ouais, c'est vrai. Allez, on la prend en rouge. Ça se trouve, on va la changer avec un calque. Un calque. Aïe, aïe, aïe. Avec une livrée, voilà, ça y est, ça m'était sorti de la tête. Ok, 134 000. Et grâce à la course, en fait, vous voyez la course que tout le monde parle là pour farmer, le championnat. Et ben, vous faites une fois, allez, deux fois le championnat si vous mettez des pneus, tout ça. Et ben, vous êtes déjà remboursé en moins de 20 minutes. Vous êtes remboursé la voiture. Voilà, ça vient de mon poteau, hein, Bozo, hein, l'astuce. Rien pas de moi. Mais voilà, c'est vrai que cette voiture est vraiment pas chère. Pour sa puissance et puis même pour voilà si vous avez pas vous voulez aller en ligne avec un pote et tout vous avez rien encore de fou en matière de bagnole bah voilà vous avez celle-là qui est vraiment pas chère et qui peut déjà être vraiment pas mal pour débuter maintenant alors atelier de préparation nous on va dépenser de l'argent hein, mais vous regardez hop vous mettez course. Voilà, 38 000, ça vous fait du coup 160 et quelques, 170 000 à peu près la voiture avec les pneus. Voilà, deux fois le championnat et vous êtes remboursé. Voilà, en moins de 20 minutes la voiture est remboursée. Bon, nous on va mettre un peu plus que ça, hein. On va mettre un peu plus que ça, hein. Nous on va y aller, hein. Tout ça va nous coûter dans les 400 000. Nous on la veut à fond, et comme ça on va la tester. Et je vais vous montrer ça. Alors, transpiration, course. Ouais, faut que je voie, parce que alors là, non, ça c'est nouveau moteur, l'inverteur du volant, non, système de nitro, non, frein à main hydraulique, ouais. Ah, pour le drift, ça. Augmente l'angle de braquage, c'est pour le drift, kit de frein en carbone, ouais, pourquoi pas, ok, de pluie, tout ça, non. Bah moi, je me les achète, mais comment dire? Je me les achète, mais c'est pour moi en fait, si je fais des courses pluie, quoi. Course inférieure, course supérieure, je voulais dire. Ah, je peux pas acheter ça. Préparation d'équilibrage du moteur. Ok. Conduit. Ok, ça en prend. Compresseur de couple au régime. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, faut faire gaffe après qu'elle. Ouais. Parce que ouais, dès qu'on touche l'accélérateur, vous,
C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres compresseurs de couple bas régime? Parfait pour booster le couple faible régime. Ce serait pas plus intéressant ça. À bas régime, parce que ouais, j'ai un peu peur de pas la maîtriser après la bagnole vu qu'elle va être quand même pas mal puissante. J'ai peur que si j'appuie à peine sur l'accélérateur, je parte en vrille. Ah bah non, mais après non. Non, je dis de la merde en fait. Non, je dis de la merde. Oui, non, je dis de la merde. Non, non, c'est bon en fait. On va le prendre. Refroidissement, on va tout prendre. De toute façon, on prend tout ce qu'il faut. Attends. Non. Au cas où. Un petit silencieux course. Pas de mal. Les freins, on en a mis. Plaquettes de frein, on en a pas là ici. Non. Mais ça sert à mettre les ceux-là alors qu'on a. Voilà quoi. On a les freins en carbone. Collecteur d'échappement, on en a pas mis. D'aller bah atteindre les 1000 chevaux. Hein. Cette plaquette de frein, tac. Suspension non imperméable, non non j'ai pas envie de je vais prendre des suspensions plutôt sport. Manette d'équilibre des freins, ok, ça c'est pour pouvoir ok, bon on l'achète au cas où si un jour j'ai envie de régler mes freins. Transmission de course, non. Réduction de poids, ah ouais, ah mais là il n'y a pas besoin d'acheter l'autre d'abord. Attends, non non là là, ça l'a pas fait. Faut d'abord j'achète les autres et après. Ok, embrayage et volant de course, ça oui. Pourquoi pas. Là, c'est tout hein, ce qu'on a acheté. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que directement. Tac. Tac. Réduction de poids, niveau 3. Tac. Réduction de poids niveau 4. Voilà. Et on a un autre truc, c'était quoi encore? Y a la réduction de poids, mais. Mais. Rigidité de la carrosserie renforcée. Renforce le châssis de la voiture. Rien n'est tel pour un châssis robuste pour atteindre de grandes vitesses. Voilà. Ça on prend, bon nous ça nous coûte cher hein. Mais on met tout aussi, on met tout. Combien de coupes? Non. Refroidissement intermédiaire, non, bah non. Silencieux semi-course, non, on a déjà mis. Informatique entièrement personnalisable, ouais, pourquoi pas ça par la suite. Vibrequin, on n'a pas mis un de vibrequin, ça me dit rien, non. Ça non. Ça non. Je sais même pas ce que c'est. Suspension sport, ouais. Ça peut être pas mal. Ok. Transmission entièrement personnalisable, non. Non, ça c'est bon. Ça non. Ah, mais on a les suspensions en sport. Ah, bah trop tard. Bien sûr, j'ai pris sport, ouais. Première attraction en sortie de virage. Ouais. M'a l'air pas mal. La transmission, on va la laisser telle quelle. Hein. Pour le moment. L'instant, on va laisser ça comme ça. Ouais, ça je touche pas trop. Je veux pas faire n'importe quoi. Bah non, on a déjà mis, je crois, un truc un peu plus ouf. Et là, c'est bon. Ok. On passe chez GT Sport quand même, hein. On va mettre quand même quelques trucs. Oui, là on y va à fond, on la personnalise. Éditeur de livret, changer de style.
Charger le style, sauvegarder, éditeur de livret. Je sais pas si on peut en prendre directement. Ouvrir, créer. Non. Non. Je vais aller en télécharger un, je pense. Ouais. Je vais aller en chercher. Ben voilà, on a trouvé une belle petite livrée DBZ. Allez hop. C'est quoi ça? C'est sur la peinture, il y a une pièce personnalisée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a couleur? Pièce personnalisée, voilà. Alors, avant. C'est où ça? Ah d'accord. Elle reste là. Ouais bah non, standard. Hein. Ok, à l'arrière. Bon, on type A. Hein. Pas changer. Et l'aileron. Pièce standard, sans aileron. Bon bah. Élément de course, autre. Crochet de capot. Ah d'accord. Hein? Ouais, pourquoi pas. Non. Non, ça ira. Et puis bah voilà, c'est bon. Hein. Ah peut-être les jantes. Hein. On se mettait des belles petites jantes là. Okay. Est-ce qu'on a de beaux? Non. 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 Vous allez le laisser comme tel. Tout compte fait, BBS, je pense pas que sur cette voiture ça soit cool. Ah, tu me diras. Peut-être que. Non, on va la laisser d'origine, les jantes. Allez hop. Arrêtez de. Eh ben allez, on se retrouve aussi. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est ce championnat-là. Voilà, qui rapporte à peu près. Voilà, vous faites les deux courses, ça vous prend environ, on va dire, 10 minutes environ. Et ça vous rapporte 100 000. En premier, hein, faut être premier. Et puis ben voilà, 100 000, vous le faites deux fois, et hop, hein, ça va vite. Alors regarde, au niveau argent, j'ai quand même pas mal baissé. Ouais, là, ça m'a coûté, ouais, facile, les 400 000, facile, mais voilà, quoi. Paramètres voiture, ah oui là ça va pas aller. Course tendre, course tendre. C'est peut-être un peu mieux, on est à 821 points de puissance, ça va par rapport au nombre de chevaux qu'elle a. Elle a 1080 chevaux hein, du coup, hein. 1080 chevaux, voilà pour pas très cher quoi, pour environ, ouais c'est ça environ je crois, ouais, c'est ça, environ 200, 300, ouais, entre 300 et 400 000, sachant que là, si vous faites ce championnat-là, c'est remboursable en moins de 40 minutes, voilà, et sinon, bah si vous mettez juste les pneus, pour le moment, les pneus tendres pour farmer en 700 chevaux, bah voilà, en un ou deux championnats, c'est remboursé quoi, moins de 20 minutes, et ben bah, allez, on va la tester. J'ai pas encore testé hein, la voiture, hein. On en a parlé hier. Je voulais faire ça en vidéo. C'est parti, hein. Bon, on va voir mes talents de pilote, ça c'est un petit peu moins cool. C'est moins bien ça. Allez la Goku mobile. Le bruit. Alors ouais, du pâté. Elle a des très bons freins, elle réagit pas mal. J'essaie de changer de vue un peu. Même si je suis pas habitué avec les autres vues. Voilà. C'est pas mon truc les autres vues. Bon, on va remettre ma vue. Ah attendez. Waouh, par contre elle part, hein. Je crois que c'était une mauvaise idée, non. Ah, voilà, c'est trop rapide. Bon, le compresseur. Ah ouais.
Oh, je me suis fait pousser. Ouais, je crois qu'il faut éviter de mettre le compresseur. Ah ouais, elle part en direct. Bon, après quelques tours, je pense que ça ira. C'est surtout que je m'y attendais pas, quoi. Ah non, mais elle, par contre, elle fuse, hein. Ouais, cette ligne droite, je me rappelle hier, ouais, j'ai mis du temps avant de la faire. Avant d'arriver au bout, quoi, de la ligne droite. Là, en moins de 2 secondes. Ouais, faut faire gaffe parce que ouais, je crois que le compresseur, je sais pas. En plus, on peut pas l'enlever, c'est ça qui est chiant un peu aussi. Quand on met des pièces comme ça, on peut pas les enlever. À moins que, mais je ne crois pas. Hein. Que la voiture est puissante hein, pour arriver premier. Parce que avec moi. Ça c'est mon gros défaut à moi en fait. J'ai pas encore cette habitude de bien freiner à l'avance. Ce qui fait que bah, souvent il est trop tard. Allez, un peu de sérieux. On va tenter. Un peu de sérieux. Wow, wow, wow. Ah ouais, elle chasse à mort. Ah, que je voyais avec mon poteau si ça on peut l'enlever le turbo. Ouais. Ah, parce que pour moi il a. Ah, il faut pas trop appuyer sur l'accélérateur qu'en sortie de virage comme ça. Frein. Non. Je teste. Allez, c'est full speed. Mais bon, vous voyez que même en étant complètement nul en pilotage. Bon après au milieu il y a ça avec plein de voitures, hein, je pense que c'est possible. Hein. Mais au moins même pour voilà, des autres courses ou pour jouer en ligne ou quoi que ce soit, vous avez une voiture à plus de 1000 chevaux. Pour un prix plutôt honorable. T'as pas encore la vitesse de pointe. Et moi je vais prendre un virage à 200. Ouais, on a même le temps de faire des conneries et il nous rattrape pas. Ouais bon, quand même si, il arrive. Oh la course, la pire course au monde. Promis pour après, je vous fais un beau replay pour la fin de la vidéo. Aïe aïe aïe. Il me va pas du tout ce turbo. Bon, y a pas que le turbo qui me va. Le pilotage aussi. Je dois faire mes parmi après, oh là là. C'est une horreur ça. Bon, je l'ai fait pas en or, bien sûr. Ouais, elle patine trop pour moi, ça chasse trop. Eh ben allez, sur ce les amis, moi je vous laisse là. Voilà, une bonne petite voiture pour bien commencer et pas très cher. Bon, vous, ça ira déjà un peu mieux que moi. Et si vous voulez éviter trop de chasser, mettez pas ce turbo. Voilà, il éteint de la bagnole. Aïe aïe aïe. Eh ben allez, moi je vous laisse avec un petit replay, hein, le deuxième tour du championnat. Voilà, si vous voulez voir au niveau de l'argent, hein, vous voyez là 20 000, mais bon, c'est normalement c'est 30 000. Hein, normalement il y a un bonus de 10 000 si vous faites pas comme moi n'importe quoi. Et du coup c'est 30 000, la deuxième course c'est 30 000 et vous avez un bonus d'être premier de 40 000. Voilà, ouais, la deuxième course à la fin du championnat. Voilà, et bien sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.